Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Juice Store qui est un petit peu différente d'habitude. Je sais que d'habitude on parle principalement des influenceurs, des événements de la communauté juive, des produits juifs, de ce genre de choses. Là on va parler un peu des arnaques dans la communauté juive francophone. Donc pas des arnaques faites par des juifs, mais des arnaques qu'ont subi des personnes de la communauté sur internet principalement. Donc on va un petit peu vous avertir de ces choses-là pour ne pas tomber dedans. Et pour vous prévenir, voilà, de faire très attention à ça. Il y a plusieurs amis à moi qui sont tombés dans différentes arnaques de ce style. Et il y a même moi qui ai failli en tomber dans l'une d'entre elles une fois. Mais heureusement, finalement, avant que l'arnaque se mette concrètement en marche, j'ai réussi à l'éviter. On va en reparler. Alors, on va voir un petit peu tout ça. Donc, je sais que c'est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, mais voilà, je trouve que c'est important d'en parler. Il y a pas mal de personnes aussi qui m'ont demandé cette vidéo-là. Il y a pas mal de personnes aussi qui voulaient savoir quand est-ce que c'est une arnaque, quand est-ce que c'est pas une arnaque. Donc pour répondre un petit peu à toutes ces questions-là, j'ai fait cette vidéo. Alors, déjà la première chose, le MLM, la pyramide de Ponzi. En gros, il y a déjà pas mal d'amis à moi qui m'ont sollicité pour rentrer là-dedans. D'ailleurs, j'ai arrêté pas de leur prévenir que c'est pas bien, il y a d'autres solutions qui sont meilleures, qui sont complètement différentes. Là, ça va être plus être vraiment dans la partie business. Mais on va pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, c'est quoi le MLM? C'est en fait, il faut payer une somme d'argent pour entrer dans un business et ensuite devoir recruter d'autres personnes qui feront pareil, donc qui devront être clients à leur tour, qui devront payer pour recruter d'autres personnes et ils gagneront une partie en fait de l'argent payé par ces personnes-là. Et en fait, ça fait une sorte de chaîne où au final, chaque recruteur gagne une partie des revenus des gens qu'il a recrutés, mais en gros, c'est la personne qui est au-dessus, qui a créé ça, qui s'enrichit. Et en fait, ça fait juste une sorte de chaîne comme ça, de passation d'argent. Souvent, en plus, il y a des abonnements tous les mois. Et du coup, ça revient très cher. Il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment en perte. En fait, le problème, c'est que les vendeurs sont en même temps les clients. Donc, il n'y a plus trop de différence entre vendeur et client. Donc, on a à la fois la personne qui travaille, à la fois la personne qui est consommatrice, en fait. Et du coup, c'est pas un vrai business. C'est très compliqué. C'est le créateur, voilà, qui s'enrichit sur le dos des autres. Il y a 95% des personnes qui perdent de l'argent dans ce business. Alors certes, c'est vrai qu'il existe une minorité de personnes gagnantes. Il y a 95% de perdants, 4% qui ont un revenu stable et 1% vraiment qui sont riches. Mais voilà, avoir un business avec une chance sur 100 de gagner, c'est pas vraiment un business. Donc il vaut mieux vraiment s'éloigner de ça. Et en plus, c'est limite assourd par la Torah parce que c'est une arnaque. On arnaque les autres en leur disant qu'ils vont gagner de l'argent alors qu'au final, la seule personne qui s'enrichit, c'est la personne qui est tout en haut. Et eux, il y a beaucoup de chances, il y a beaucoup plus de chances qu'ils perdent de l'argent plutôt qu'ils gagnent de l'argent. Et même si eux, ils réussissent à gagner de l'argent, c'est sûr que ce ne sera pas le cas de toutes les personnes que vous recruterez. Donc, de toute façon, il y aura des choses qui sont pas bonnes là-dedans. Et en plus, ça prend beaucoup de temps à recruter, à former les personnes, etc. Enfin, moi, je suis jamais rentré là-dedans. J'ai été à des réunions de ce genre pour voir un petit peu de quoi il s'agissait, pour connaître un petit peu ce milieu-là. Et bon, c'est un petit peu compliqué. C'est vrai qu'il y en a certains peut-être qui sont pas des arnaques, etc. Mais même ceux qui sont pas des arnaques, c'est. Parce qu'il y a deux types en fait de MLM. Il y a des pyramides de Ponzi qui sont vraiment des 100% des arnaques. Il y a les MLM qui sont un petit peu plus sérieux, qui sont pas vraiment des arnaques. Mais que le fait qu'il y a plus de perdants que de gagnants fait que quand même c'est pas bien. C'est un peu comme la loterie, etc. Donc du coup, c'est pas vraiment évident et c'est quelque chose que. Vraiment, je déconseille. Après, si vous aimez ce genre de business, sachez qu'il y a un autre système de business qui est à peu près similaire, sauf que c'est complètement gratuit. Et là, donc, il n'y a aucun problème de perte. C'est un business d'ailleurs que je propose si certains sont intéressés par ce genre de choses. Voilà, c'est un peu comme un MLM, sauf que c'est gratuit et on ne mélange pas vraiment les clients et les vendeurs. C'est deux choses qui doivent être complètement distinctes. Et dans mon système que je propose, c'est un peu quelque chose de complètement distinct. Mais bon, je vais pas faire plus long sur ce sujet. Si vous voulez avoir plus d'informations, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je vous en parlerai si vous êtes intéressé. Ça s'appelle l'affiliation. Et là, du coup, c'est un peu le même système, sauf que l'idée, c'est simplement de vendre et de toucher des commissions sur vente des autres. Mais c'est gratuit, il n'y a pas besoin de payer de l'argent pour rentrer là-dedans. Bon, bref, voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps, mais si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Ensuite. Collab Instagram, reconnaître les arnaques, donc là aussi une arnaque dans laquelle on m'a proposé encore une fois, bien entendu je ne me suis pas fait piéger, donc la personne vous envoie un message privé, c'est souvent des marques qui vous envoient des messages privés, ou sinon qui vous met en commentaire collabs, for DM, etc., des choses comme ça, c'est souvent d'ailleurs des pages anglophones, la majorité du temps, et l'idée c'est quoi? C'est ils vous disent par exemple, voilà, vous pouvez promouvoir notre produit, on vous l'offre gratuitement.
et vous pouvez le promouvoir sur vos réseaux sociaux en échange de produits. Donc vous êtes tout content et tout, vous dites ah ben c'est génial, je vais avoir un produit gratuit, je fais une petite vidéo, une petite photo, je promouvois et c'est réglé. Par contre, c'est là où il y a un problème, il y a un hic, si c'est entièrement gratuit. Et vous dites, bon, ok, bah, c'est bon, vous envoyez notre adresse, je vous l'envoie, etc. Là, c'est pas une arnaque. Par contre, quand ça devient une arnaque, c'est quand ils vous disent de payer la livraison. C'est pas normal d'avoir le produit gratuit et de devoir payer la livraison. C'est soit c'est une vraie collaboration, un vrai partenariat, là, il n'y a rien du tout à payer. Soit c'est une arnaque, et dans ce cas-là, on vous dit de payer la livraison. Mais en vérité, le produit, c'est un produit de mauvaise qualité, et le prix de la livraison égale, en fait, la livraison plus le prix du produit. Donc, en fait, vous achetez le produit sans vous en rendre compte. Et en plus, vous faites de la publicité gratuitement pour la marque, alors que vous êtes fait avoir. Et aussi autre chose, j'ai remarqué que ces comptes-là, pour passer pour des comptes réels et vraiment pour faire sérieux, ils achètent beaucoup d'abonnés. Donc j'ai vu des comptes, par exemple, d'arnaque comme ça, qui avaient 100 000 abonnés, qui avaient vraiment énormément d'abonnés, mais quand on voit leurs publications, on voit qu'ils ont très peu de likes, qu'ils ont très peu voilà, d'interactions. Ou même s'ils ont des interactions, bah, ça se voit que c'est acheté parce que en vrai, soit il y aura peut-être beaucoup de likes, mais il n'y aura pas beaucoup de commentaires, soit les commentaires, bah, ça va être un peu du n'importe quoi. Enfin voilà, il y a souvent des façons de reconnaître des faux comptes en fait, en analysant un petit peu plus les comptes. Et de toute façon, voilà, si vous demandez de l'argent, vraiment n'y allez pas, faites-le uniquement si c'est vraiment 100% gratuit. Alors, troisième arnaque, celle-ci c'est celle que j'ai vue le plus souvent. On me le demandait des dizaines de fois parce qu'à un moment donné j'étais un petit peu expert WhatsApp et du coup bah, j'étais un peu dans tous les groupes WhatsApp, etc. Tout ça, et on me demandait beaucoup de conseils là-dessus. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de. Donc j'ai mis deux problèmes en même temps. J'ai mis les liens WhatsApp. Les liens en fait sont un peu des virus, etc. Et les chaînes de messages, c'est deux problèmes que j'ai mis en un pour faire plus rapidement. Donc les chaînes WhatsApp sont fausses. Diffuser quelque chose à un nombre précis de personnes ne change rien. Souvent on dit voilà, diffusez ce message à 10 personnes, sinon vous aurez ça, 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 ça. Ou diffusez ce message à 50 personnes, etc. Enfin, ça change quoi qu'on diffuse le message à 10 personnes ou à 9 personnes ou à 12 ou à truc. Enfin, ça change absolument rien en fait. C'est la personne ne peut pas contrôler à combien de personnes vous avez envoyé. Il n'y a aucune manière de le savoir. Donc c'est complètement débile en fait. À la limite c'est des chaînes, simplement le message vous intéresse, c'est un truc important, voilà, tête technique pour machin. Ok, diffusez-le, mais il n'y a pas besoin de mettre, faut le mettre à 20 personnes, faut le faire ci, faut faire ça. C'est voilà, c'est on le fait instinctivement, c'est un truc important comme un télé, mais voilà. Mais si c'est un message un petit peu bizarre, dans ce cas-là, ça sert à rien. J'ai un problème là que je n'ai pas parlé sur ce petit tableau, mais je viens de m'en souvenir également. Sur WhatsApp, il y a beaucoup de problèmes. Il y a souvent par exemple des comptes de prostituées qui rentrent sur des groupes et enfin voilà qui posent problème. Il y a aussi des marabouts, enfin bref, il y a plein de comptes un peu bizarres aussi qui rentrent dans les groupes juifs sur WhatsApp. Donc faire très attention aussi à tous ces comptes. Faut éviter un petit peu tous les numéros un petit peu bizarres. Donc c'est souvent voilà, vous pouvez par exemple dans votre groupe laisser les numéros français et les numéros israéliens qui posent normalement pas de problème. Mais quand c'est des numéros africains ou des numéros américains ou d'autres pays polonais ou autres, des fois ça peut poser des problèmes, donc faut vraiment contrôler et à la limite, bah, si, limite pour être sûr, bah, accepter que des gens de France ou d'Israël. Après le problème c'est qu'il y a aussi des gens de d'autres pays qui peuvent être qui ne peuvent ne pas être des fakes, ça arrive, j'en ai déjà trouvé quelques-uns. Mais bon, après à voir comment vous voulez gérer. Donc. Et aussi dans les chaînes, l'autre problème des chaînes, fin de la parenthèse, mais le problème des chaînes en fait, c'est qu'il y a souvent des messages qui sont publiés. Par exemple, une fois j'ai vu un message qui tournait, qui disait quelque chose, et après il a complètement disparu pendant un an, et l'année d'après, hop, je revois le même message. Alors que le message disait il s'est passé telle chose tel jour, mais en fait ça date de l'année dernière. Donc en vrai, si ça se trouve, il a été même republié plusieurs années de suite et que je l'avais pas vu avant. Donc faut faire très attention à ce genre de messages qui sont souvent des messages faux. Alors il existe également des liens cliquables pour gagner des cadeaux. Donc c'est faux, donc souvent c'est des petits messages voilà, de deux lignes avec un petit lien en dessous. Et en fait, comment on sait que c'est un faux message? C'est simple, c'est que l'URL, le lien du message, c'est pas le site officiel c'est pas le site officiel. Par exemple, on va vous dire Lidl fête son anniversaire, je sais pas quoi, et offre tel cadeau. Ou par exemple Apple vous offre un iPhone ou je sais pas quoi. Et vous voyez que le site, c'est pas le site officiel. Donc forcément, c'est pas le site officiel, c'est faux. Donc pour savoir vraiment l'URL si c'est le site officiel, vous pouvez taper sur Google le nom de la marque. Et vous comparez vraiment l'URL, est-ce que c'est exactement la même chose ou des fois il y a un point qui change, il y a une lettre qui change. J'essaie vraiment de changer un truc minime pour pas qu'on s'en rende compte, mais au final ça fait que c'est complètement faux. Donc vraiment ne vous faites pas avoir par des faux sites. Des fois le site il ressemble exactement le même. Les gens peuvent prendre les mêmes codes en fait, ils peuvent prendre les mêmes codes couleurs, ils peuvent tout prendre. J'ai eu même une fois une arnaque avec un faux site PayPal. J'ai failli tomber dedans aussi, j'ai reçu un SMS, j'ai oublié de le mentionner dans la vidéo encore. Il y a tellement d'arnaques, tellement de choses qui sont bien faites de nos jours.
En gros, je suis tombé sur un site qui me disait, voilà, mon compte PayPal a été bloqué. Je clique dessus, je tombe sur un site, c'est même pas paypal.com, c'est plus c'était quoi, c'était PayPal, je crois, ou un truc comme ça. Enfin bref, ils ont PayPal avec deux L, ou enfin bref, ils changent des fois une lettre dans l'URL, et tout le design, c'est le même. Ils réussissent à copier les mêmes couleurs, le même titre, le même truc. Ils mettent tout pareil. Il y a une seule chose qu'on peut pas copier, c'est vraiment l'URL. Le lien, c'est unique pour chaque site internet. Donc vraiment, faut pas se fier à la page, ce que vous voyez, et c'est vous uniquement sur l'URL. Donc qui est le lien qui peut pas être copié. Il n'y a que ça qui vous dira si vraiment le concours est vrai ou faux, si le message est vrai ou faux. Et pareil, si vous voyez un concours comme ça, vous pouvez voir sur la page officielle Facebook de la marque, s'ils n'en parlent pas, c'est que c'est faux. Normalement, un grand concours comme ça, s'il y a vraiment un concours, la marque va vouloir le diffuser. Donc allez voir sur le site officiel, allez voir sur la page officielle. S'il n'y a rien écrit, c'est que c'est faux. Et on peut trouver aussi des arnaques en tapant une partie du message sur Google. Par exemple, souvent j'ai vu des messages comme ça, j'ai tapé, admettons, 2-3 mots du message d'arnaque sur Google, et Google m'envoie un petit message, enfin je tombe sur des liens de sites internet qui en parlent, qui disent voilà, bah, tel message est une arnaque, n'y allez pas, etc. C'est comme par exemple des fois des messages qui disent faut faire ci ou ça, pour que après votre WhatsApp se transforme le logo en bleu ou je sais pas quoi, enfin bref, tout ça c'est bêtise, c'est absolument faux. Donc voilà un petit peu comment faire pour ne pas tomber dans tous ces pièges. Bon, ça a été vraiment très très long là, parce que j'ai rajouté des petites choses, mais voilà, faites attention de ne pas vous faire arnaquer dans tout ça. Autre chose encore que je suis tombé là-dessus très récemment, donc nouveau piège, c'est des liens par message privé, Messenger, Facebook qu'on vous envoie. On vous dit par exemple, ah c'est toi dans la vidéo avec un lien, etc. Et les gens sont curieux, ils veulent cliquer, ils disent quoi, je suis dans une vidéo, etc. Qu'est-ce que c'est et tout. Les gens cliquent et après ils sont piratés. C'est envoyé par vos amis en plus, donc des fois vous dites ah mais c'est mon ami qui m'a envoyé donc il n'y a pas de problème. Mais en vrai votre ami s'est fait pirater, c'est quelqu'un qui utilise son compte, c'est la personne qui utilise le compte de votre ami en fait. Qui vous envoie ça. Moi par exemple j'avais vu une fois ce message-là. J'ai contacté par WhatsApp du coup la personne en question qui m'a dit effectivement qu'elle s'était fait pirater et que c'était pas elle qui avait envoyé ce message-là. Donc c'est vraiment du piratage de compte, je sais pas exactement comment ça marche parce que j'ai pas cliqué sur le lien. Mais en gros, dès que vous cliquez sur le lien, peut-être que y a un système qui peuvent avoir votre mot de passe ou je sais pas exactement comment ça marche. Mais il faut faire attention aux liens sur lesquels vous cliquez également. C'est pas juste ne pas donner vos informations bancaires, des fois ça peut être ne pas cliquer sur un lien. Il y a tellement de virus maintenant sur des liens, des choses qui prennent vos données, qu'il faut faire vraiment attention à tout. Ne cliquez pas voilà, sur les liens bizarres si vous voulez pas subir le même genre de problème. Autre problème, arnaque bancaire. Alors, ça arrivait à peine il y a 2 jours, un ami à moi, donc c'est pour ça que je l'ai rajouté. Sinon, vraiment, je n'aurais pas pensé. Il y a un faux conseiller de votre banque qui va vous appeler en vous demandant vos informations bancaires de valider un paiement. Ils peuvent vous dire par exemple que vous avez été victime de fraude et que ça ne se voit pas alors que c'est entièrement faux. Et un vrai conseiller ne vous demandera pas vos informations bancaires vu qu'il les possède déjà. Il va seulement vous demander par exemple votre pièce d'identité ou des choses du genre. Mais jamais vous demandera vraiment votre code bancaire, etc., de valider une transaction de ces choses-là, quoi. C'est typique des choses qu'on fait pour une transaction, c'est pas la banque qui va vous le demander. Donc du coup, faites attention aussi de ne pas tomber dans ce genre de problème. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous faire partager. Ah non, bah, il y en a encore une autre. Fausse célébrité, faux concours. Donc ça, je ne l'ai pas vu depuis plusieurs mois, mais j'ai voulu le rajouter parce que j'ai failli me faire avoir il y a quelques temps. Donc celui-ci, je me suis fait avoir à moitié. Une célébrité va lancer un concours en visio live pour gagner quelque chose. Mais c'est un enregistrement rediffusé, le compte de la célébrité est un compte fake. Par exemple, vous avez peut-être vu sur Facebook ou sur Instagram, plutôt surtout Facebook je pense, une vidéo live comme ça qui est partagée dans plein de groupes, etc. Vous voyez une star qui est en train de parler et tout, mais en fait c'est une vidéo qui est rediffusée. Et le compte qui diffuse ça, c'est pas le vrai compte officiel de la célébrité. Par exemple, je crois qu'il y avait Kev Adams, Gad Elmaleh, etc. Enfin, Cyril Hanouna, enfin bref, il y a plein de grandes célébrités comme ça. Et en fait, il crée un faux compte, voilà, et en fait, comment on sait que c'est un faux compte? Déjà, dans les vrais comptes, il y a toujours la petite coche bleue pour vous dire que c'est validé quand c'est des gens vraiment connus. Quand c'est des gens un peu moins connus et qu'il n'y a pas ça, de toute façon, vous voyez le nombre d'abonnés. Vous voyez que c'est un compte qui vient d'être créé, qui a 500 abonnés, 1000 abonnés. Voilà, ce n'est pas les comptes qui ont des millions d'abonnés comme les vrais comptes. Et puis, vous voyez un peu l'historique du compte, vous voyez s'il y a beaucoup de messages, si vous pouvez revenir à plusieurs années en arrière ou si c'est un truc qui vient d'être fait il y a quelques jours et au final, il n'y a pas beaucoup d'informations. Et en gros, j'ai failli me faire avoir là parce que j'ai pensé que c'était un vrai concours avec un vrai compte et tout, parce qu'il y avait la vidéo et tout, ça paraissait réel. Et quand je suis arrivé dessus, en fait, ils vous donnent un site, etc. Et pour participer, il faut donner ses informations bancaires. Là, je me suis dit, bon, il n'y a pas besoin de donner des informations bancaires normalement. En plus, le site, il était un peu chelou. J'ai dit, ah, j'ai été revoir et là, effectivement, j'ai vu que c'était une arnaque.
Donc pareil, ne vous laissez pas avoir par ce genre de choses. N'ayez jamais vos informations bancaires, ne cliquez pas sur des liens bizarres pour éviter vraiment tout problème. Et voilà, c'est terminé. On a terminé avec toutes ces arnaques que vous pouvez trouver sur le web. Il y en a d'autres qui existent, j'ai pas pu tout mettre, mais j'ai mis un petit peu ceux auxquels je me souvenais, dans lesquels j'ai moi-même failli tomber ou des amis à moi sont tombés. Donc voilà, faites attention à vous, ne vous faites pas avoir. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et aussi à diffuser au maximum cette vidéo à tout votre entourage pour pas qu'il se fasse avoir. Merci beaucoup et bonne journée.